chers abonnés de Congo Live TV, le lot vraiment, ils allaient sortir officiel. Il y a coalition nationale et populaire en sigle CNP. Peko kamba mais pas ya moi namboka ndeko Basile Longo. Yango wana lobby moko la lobby to mona ki chef de l'état ya sala ki discours nae wa to sa ki pa ya nation. Le lot sikoyo moi namboka ndeko Basile a sali réaction nae par rapport ya discours au chef de l'état sala ki lobby. Natiki bino botala oh non c'est koloba ma awa ngana bino to kutani tout juste après. Bino non oh non nous bos abonner na chaîne na biso Congo Live TV. Bos abonner, bo aimer ba vidéo na biso bo partager yango. To kutana bino tout juste après. Merci, monsieur le modérateur. Honorable président et initiateur de la coalition nationale populaire, à vos titres et qualités respectifs. À mes amis coéquipiers, les secrétaires exécutifs nationaux, à tous les chefs de département de la coalition nationale populaire et à tous les invités, je vous dis d'abord bienvenue dans cette salle. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, le jour où un enfant est né. Cet enfant qui s'appelle la Coalition Nationale Populaire. Cette Coalition Nationale Populaire qui est une initiative personnelle. Initiative personnelle de Son Excellence Basile Olongo Pont. Comprenez, il y a un problème de micro. Je disais que c'est une initiative personnelle de Son Excellence Basile Olongo Pongo qui a eu une vision que le moment est arrivé de changer les camps et soutenir le chef de l'État, j'ai cité le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais est-il qu'il ne pouvait pas le faire seul? Il fallait des coéquipiers, les gens forts qui pouvaient l'aider à la réussite de cette opération. Il a eu à faire appel aux gens qui sont venus et qui ont accepté de l'accompagner dans cette lutte.
la coalition nationale populaire, en dehors du président national qui est devant vous, d'ailleurs, que vous n'avez même pas encore applaudi comme moi je l'attendais, je voudrais que vous puissiez l'applaudir davantage. Merci. Vient ensuite le secrétariat exécutif national. Le secrétariat exécutif national où les amis à ma droite m'ont donné le pouvoir de le représenter comme secrétaire exécutif national. Je m'appelle Cléophas Nyembwe Nyerere, je suis député honoraire de la ville de Boujimaï. Merci. Il y a toute une équipe de secrétaires exécutifs nationaux adjoints qui est composée de grandes personnes. Souffrez, je serai très rapide pour vous les présenter parce que je sais qu'on a perdu beaucoup de temps. Vrai ou faux? Je voudrais commencer par un camarade qui est le secrétaire exécutif national en charge des politiques et stratégies et qui a eu à occuper des hautes fonctions en République démocratique du Congo. Je parle du camarade Jacques Bétébo, à qui je vais demander de se mettre debout. L'homme que vous voyez à ma droite fut ministre de l'Intérieur de la province de Djouapa. Nous sommes dans le Grand Équateur. C'est pour dire merci. Il y a aussi un autre qui s'occupe des dossiers, des problèmes juridiques. Fort malheureusement, il a des soucis de santé. Il s'appelle Maître Bouchiri Prince. Bouchiri Prince est de la province du Maniema. Il est président d'un parti politique, mais fort malheureusement, il n'est pas avec nous pour des raisons de santé. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Comme on ne pouvait pas seulement travailler avec les hommes, il y a une dame, l'unique et la seule, parmi les hommes. Une femme prophétesse qui ressemble à celui qui vous parle du côté d'un. Elle s'appelle Madame Deborah Ngandou. Si elle est là, elle peut se passer. Merci beaucoup. Commission nationale populaire, madame vient du Kassai, donc la province du Kassai, Kassai central. Donc nous avons commencé avec la province de l'Omami où j'étais élu de la ville de Boujimaï, moi c'est l'Omami. Est venue ensuite la province de la Tchopa dans le Grand Équateur. Enfin, il y a eu la province du Kassai central avec madame Deborah. C'est celui qui est malade, je vous ai dit qu'il est du Maniema, la diversité. Il y a ensuite un autre, celui-là s'occupe de la communication. Il est censé être appelé le porte-parole. C'est lui qui peut parler si moi je ne suis pas là. Il s'appelle Maître Dioka. Est-ce qu'il peut venir, on peut le voir. À tous, Seigneur,
tout honneur, je voudrais appeler la salle à applaudir très fort l'entrée de son excellence, Patriarche. Accueillons chaleureusement le Patriarche de l'Église. Demande de vous Saint Gabriel, la parlementaire de Moutre Bazali. Nous avons la fraternité du quartier Makelele à Bandalumba. Bazali. Fraternité Bazali. Nous avons aussi la présentation du sénateur Bahati Lukoye Boko, l'FDCA. Bazali. Merci beaucoup, l'honorable Bahati Lukoye Boko, pour cette présentation. Et messieurs, je ne suis pas ici présent de mon propre fait. Hier, j'ai dit au président de la République que mon petit frère Basile faisait la sortie de sa plateforme. Et le chef de l'État m'a dit, mais Dieu, il faut y aller, il ne faut pas manquer. Que cette cérémonie est placée sous le haut patronage du chef de l'État. Quand il est présent et que je suis présent, il cesse d'être le haut représentant. Mais, Nariga, le bobé, le caprette, le ganazame, le baka qui t'aiguille, le grand prêtre, Nanazame. Bon, merci. Pour le barbe que Kitengeye do Mato et Zinga Moutou. Vous voyez? Mais moi, nous, je vais voir les Nanga. Mais Ndengeni a sa cérémonie, au lendemain, il y a un message important. Il n'y a pas de message. Donc, Zalaki na coalition. Et Zalaki le poil à Moutouka. Moutouka, il a la chauffeur, lui, va l'été. Il a la chauffeur, mon pauvre. Bah, maman, vous voyez, nous aimons, vous voyez, le mec, moi, si mon pauvre, il va lui valer. Yangoa na président Lobi, Nazonga na peuple. Peuple a eu Sanga et Lokoni na Kosala. Oyo président Sengi, on n'explique personne. Naba A. Bate Pepe. Délégué à l'Assemblée nationale et au Sénat, à la cité de l'OUA, au palais de la nation, il n'y a pas de président délégué. Il y a un président. Et un président unique.
Les consultations vont commencer pour la reconstruction du pays, pour revoir la façon de fonctionner du gouvernement. Mais il compte sur vous pour que l'entreprise qui va commencer puisse réussir entièrement. Nous sommes au pouvoir pour construire et non pas pour détruire. Soyez vigilants contre ceux qui veulent diviser le pays, contre les destructeurs. Montez tous au créneau pour dénoncer. Et soyez vigilants. Ne vous laissez pas faire, le pouvoir c'est nous. Ce n'est personne d'autre. Je souhaite bonne chance à votre plateforme, bon vent, soutenez votre président jusqu'au bout pour la réussite. Amen. Monsieur le représentant de
honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, tous à vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi, avant toute chose, de remercier Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, pour la matérialisation de cette grande journée. Que l'Éternel soit loué. Je vous remercie aussi pour avoir répondu positivement à notre invitation de ce jour. Le grand merci est apprécié à la base de la République, dirigée par l'honorable Roger Mbala. Wachite. Nous remercions vont également tout droit, et cela va citer tout le monde, à l'honorable Serge Mayama. Honorable Tonton. Le remerciement va tout droit à l'honorable Tédika. Je remercie aussi l'honorable Victor Bébé-Ménéal. Je vous remercie tous, honorables députés et sénateurs, honorable Chibalabala, vice-président actuel de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Tous les invités, je vous aime beaucoup, je vous dis sincèrement merci. Merci d'être témoin de la présentation et de la sortie officielle de la coalition nationale populaire, votre coalition. Oui, nous avons dit la CNP, coalition nationale populaire, en cible, sans figure sur la liste de toutes les formations et regroupements, tant politiques que sociaux, qui se sont assis l'objectif de marcher avec les chefs de l'État et de les soutenir dans toutes ses actions durant son mandat. CNP, c'est quoi? La CNP n'est autre que ce que vous croyez au plus profond de vous-même. Elle est l'ensemble des forces politiques et sociales de la nation congolaise composée de regroupements politiques, les partis politiques, les personnalités politiques et sociales, corps académiques et scientifiques, les NGD, ASBL, les mouvements citoyens et les confessions religieuses. Compte tenu de la situation politique et sociale prévaut au pays, à la suite des élections présidentielles, législatives et provinciales du 30 décembre 2018, qui nous ont permis d'assister à la toute première alternance politique et pacifique dans notre pays, sanctionnant ainsi les couronnements de la très longue lutte menée par le fait docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, dont nous saluons ici la mémoire. Par le souci de préserver la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale chèrement acquises par nos martyrs et nos peuples de l'indépendance, par amour de consolider la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance dans notre pays, les respects des droits de l'homme et des libertés fondamentaux,
qui sont le soubassement du développement intégral de tout être humain tel que prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, en date du 7 septembre 2019, avons décidé de créer un cadre permanent de concertation populaire dénommé la Coalition Nationale Populaire dans la ville de Kinshasa, à la République démocratique du Congo, et cela a été l'initiative de votre humble serviteur ici devant vous, Basile Olongo. La CNP s'engage donc à accompagner et à soutenir les chefs de l'État dans sa vision pour un Congo émergent. La CNP a pour devise l'unité dans la diversité, la paix pour tous, les progrès pour un Congo émergent. La sortie officielle de ces jours de la CNP, voulue par l'Éternel, là vous avez la réponse, voulue par l'Éternel de Dieu, coïncide avec l'appel lancé hier par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour fédérer toute la classe politique congolaise autour de lui et créer l'union sacrée de la classe politique afin de remettre le profit et de trouver des solutions aux questions importantes qui se posent dans notre pays, entre autres des questions liées à la sécurité et la paix, à la diplomatie, à la territoriale, à l'organisation des élections, à la formation de la CENI, à la gestion du portefeuille de l'État, au fonctionnement de l'appareil judiciaire, à la bonne gouvernance et au développement socio-économique du pays. La résolution de ces questions ne doit pas rester aujourd'hui l'apanage d'une seule formation politique, surtout celle qui se cache derrière une majorité parlementaire fabriquée de toutes pièces pour camoufler toutes les profondeurs et la gestion orchestrée par les visiteurs. Que la CNP est un cadre qui doit apporter un soutien total et indéfectible à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Ce soutien va aider le chef comment fédérer toutes ses forces politiques et sociales de la nation autour de ces questions qui concourent au développement de notre beau et cher pays. Le président de la République a déclaré qu'aucun arrangement ne pourrait être placé au-dessus de la constitution de notre pays, ni permettre à ce qu'un groupe d'individus puisse jouer de ses prérogatives constitutionnelles. Nous allons empêcher et barrer la route à tout individu ou à toute association ou à tout regroupement qui va oser alors marcher sur les prérogatives du chef de l'État. Combattre l'institution présidente de la République, c'est combattre le Congo et les Congolais. Plus jamais,
plus jamais dans ce pays, à partir d'aujourd'hui, nous allons tolérer que des individus, un groupe d'individus puissent s'élever, puissent oser saper l'autorité du chef de l'État. La coalition nationale populaire qui procède à la sortie officielle aujourd'hui est implantée partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans tout le continent. Je salue la présence de la délégation de la France. Nous sommes excusés pour les retards. Je sais que vous allez prendre votre avion maintenant pour partir et installer la scène de là-bas. En tout cas, on va Mènement. La délégation du Katanga, qui est venue hier, qui a pris l'avion pour venir assister, eh bien, on vous salue également. Vital Zola et son équipe. Je le répète, Excellence, nous n'allons plus jamais tolérer. Dans ce pays, il n'y a qu'un seul président de la République. Ce message est envoyé à toutes les institutions qui doivent pour une avant comprendre que vous soyez dans l'armée, que vous soyez dans la police, que vous soyez au Parlement, partout, vous devez comprendre qu'il n'y a qu'un seul président de la République. Tous les Congolais, à partir d'aujourd'hui, nous allons nous mettre debout tous comme un seul homme. Parce que si nous tergiversons, le Congolais va rater, le Congolais va rater son décollage. Et nous allons reculer 10 ans en arrière. Nous ne pouvons pas nous compromettre. Parce que l'histoire nous jugera. À partir d'aujourd'hui, je sais que vous ne suivez partout dans toutes les provinces. Vous êtes en train de suivre. Partout où vous êtes appelés à barrer la route à tous ceux-là qui vont chercher à empêcher à ce que le président de la République puisse donner de l'espoir aux Congolais, afin qu'après ce premier mandat, et les Congolais puissent se réjouir pour une fois. Okay. La CNP est créée pour assurer au président de la République, le deuxième mandat compte tenu de ce que nous avons fait. La CNP est créée pour assurer au président de la République le deuxième mandat. La CNP, votre coalition, est en train de faire déjà son chemin. Elle est partout, comme je l'ai dit tout à l'heure, ailleurs, dans la République démocratique du Congo. On attendait cette sortie officielle pour que l'on puisse procéder à l'implantation de cette coalition partout dans toutes les provinces. Les portes de notre coalition sont grandement ouvertes. Patriarche vous l'a dit, vous avez suivi les chefs hier, que les consultations vont bientôt commencer. Ne cherchez pas à évoluer en électron libre. La porte est ouverte. Venez pour que nous puissions ensemble rechercher la paix et asseoir la paix, la consolider en République démocratique du Congo. Venez pour que tous ensemble, on puisse rechercher l'émergence de notre pays,
veiller pour que tous ensemble, nous puissions soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de chercher et donner au pays l'état de droit que nous avons longtemps voulu qu'on ne retrouve pas. Chers camarades, oui, chers camarades, je vous dis que les portes sont ouvertes et le siège national de la CNP, c'est en face du stade de Martyrs, sur le boulevard Triomphal. Donc, c'est un endroit connu. On ne vous exige rien. Cependant, nous devons transformer ces pays avec le président Félix Antoine Tshilombo. Félix, qui a la volonté de pouvoir changer les choses si nous les soutenons, les Congos et les Congolais vont s'y retrouver. Avant de terminer, Papillage. Ça, c'est notre petit cadeau. Notre petit cadeau, pour ceux qui ne savent pas, il est l'autorité morale de tous ceux qui s'approchent, tous ceux qui se disent alliés autour du président de la République, c'est lui l'autorité morale. Nous avons voulu que lorsque vous nous réunissez, que vous êtes ensemble avec nous, que vous puissiez porter. Moi, j'ai l'habitude aujourd'hui de porter ma chemise. C'est parce que je ne vous avais pas encore donné. Je me mets comme ça. Et ça, c'est notre, la chemise officielle, la tenue officielle de la CNP. Que nous voyons. Merci, Nazan Maloula Ederi à Kouroubaté et Sengel Moye Baïti. CNP Oyebini Lelo, les amis Coalition Nationale Populaire, Lissana et Abatou Nyoso. La coalition Moussou Soubo et Salema, les amis pour la Kouroubaté, fonctionnement et restitution. Oyo, oyo, les amis de Yio. Nangaï, tout ça n'a pas été fait pour la communauté qui vient à la Bogarabiste. Nangaï, tout ça n'a pas été fait pour la communauté qui vient à la Bogarabiste. Et à la Bogarabiste. Tout ça n'a pas été fait pour soutenir le conseiller Boka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nangaï, Mansou Azali, pour la communauté qui vient à soutenir. Congo, Naba Congolais, pour que se retrouver. Oui. Ce qui dit ça qui va se faire des moutons, n'est pas le que ça mais les autres pour nous consommer. A côté, il n'y a jamais consommation de moutons là, pour mes maillots, et tout, ce qui a nommé à mes maillots la dignité, il va la barreau. C'est pourquoi il s'est gagné, tout soutenir, il y a une masse où il s'est posé ça là pour le Congo. Pour que nous ayons des bousons. Il y a notre orienté, qu'on va dans le couloir de l'eau, ton conduit malissus va se quitter. Il y a pour toi la route qui est là pour naïe, mon gassuyé, aïa pour ça, car la route pour Zamboka. On a mis en son à Gomeka, ton conduit de Milaye, la ligne à Boukete. Bisous, pas son conduit au Bimba. Oyo nyonso akoleka bisika nyonso oyo azwami po sepe ezali Congo mobimba eza na mikili nyonso oyo akoto olingi totonga mboka yaka elongo oboyi totonga mboka na yo vanda tala biso ndenge tokosala soki oye na maseki okokutana nango totolere makambo ebele ntango ebele tozalaki kotala ete ya solo Moutou Oya Kosamba, l'imposé à population, et Zali président Félix. Et Zali premier ministre T.
Ezali ba ministre wana te. Moutoua Kosamba Ezali président Félix. Alors tu peux tolérer le sous-souté. Sauf qu'il y a Ezali premier ministre. Ozo sala moussala na yo malamu te. Ezengeli olo moi. Ezengeli olo moi. Sauf qui au moins que l'on voit, population de Téléma, mais ils sont coalition nationale populaire de Bolomolayou. Sauf que vous allez ministre, vous allez consacrer à Moussala Mabé, au lieu au sein de l'école, vous allez consacrer à l'Olé Nayo, de Bolomolayou, au Bolomola. C'est ça soutien, il y a pour soutenir le président de la République. Vous allez me conduire, il y a parlement, au Moussala Mabé, au Tinio. Olivier Colocate, Tokolo Molayo. Moka, peuple, allons à quatre jours. Jamais peuple a échoué. Merci. Merci, président. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette matinée politique et la sortie officielle des CNP? Ce que le peuple congolais peut retenir. Le Congolais peut retenir. Les citoyens de cette République se mettent maintenant ensemble. Groupement par groupement, coalition par coalition, de plateforme par plateforme autour du président de la République pour barrer la route à tous les compatriotes congolais qui ont détruit ce pays pendant plusieurs années et qui pensent qu'ils peuvent continuer encore à les détruire. La CNP est une coalition des partis politiques, des associations, les gens Basile Colombo, son excellence, M. Basile Colombo, que moi j'ai connu à l'époque, et je l'encourage d'avancer, je l'encourage de pouvoir soutenir le président de la République. Et de l'autre côté, vous connaissez très bien la base de la République, qui a pour objectif de soutenir le président de la République, et je suis convaincu que demain, tous les compatriotes congolais seront avec le président de la République et la République va progresser. À travers cette occasion, quels sont les messages que vous allez lancer à vos partenaires naturellement du débat, ça veut dire SCC, qui sont en train de se préparer à leur côté pour une riposte à l'occurrence du message adressé par le président de la République? Mais ça c'est un jeu politique, nous ne pouvons pas les empêcher de ne pas répondre au président de la République. C'est ce qui prouve à suffisance aujourd'hui que la coalition FCC-CACH n'existe plus. Maintenant, le président de la République, comme il l'a bien dit, il faut une union sacrée des citoyens congolais qui vont répondre aux besoins des citoyens congolais. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus craindre que le compatriote congolais du FCC s'organise pour répondre au président de la République. Dimiko répondre à l'invitation, il y a Ndekolangai Basile Olongo, parce que Yepe Ayaki l'a sorti à base de la République. Donc à partir de ce moment-là, ils allaient devoir y avoir réciprocité. Il n'y a pas dit que une coalition où il y a CNP, ils allaient pour soutenir le président de la République. Ils sont base de la République, nous avons soutenu le président de la République. Et Sengeli Tozala et Longo, on a empêché Motonion surtout. Oyo, Azalina Makanisima Pé, on a Mbokanabiso. On a dit qu'il y a 8 mbongo, mine de 5 milliards de dollars américains. Bamisous va pomiche Kamine. Et Sengeli, CNP, na base de la République, n'a pas coalition, nous ne pouvons pas partir, nous sommes tous. Donc, comment ça a été IDEPES, il y a le président Yemoko, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Tozala Lingomba, Ndeoyo Mokonzi Yamboka Lobby,
tous à la union sacrée, tous à la Lingomba, on a que Mboka na biso et que des Liboso, et tout empêcher ba dongolomiso, ba oyo, ba lingi ko détruire Mboka ko bazonga si. Parce qu'on a dit ça, ma message, mon conseil, mon lobby, ma partenaire, et puis on te couper, ma bonne vie, c'est ma vie, et bango, battez les livres, ma message, ou un discours, ou un lobby, et bango, mais bako, bon, ma maca, pour lancer mes messages, ou yo, bango, bazan, ou la vie. Pour le moment, on a dit ça, ma position, bango, ma position, topé, lobby, topé, la sima, y a lobby. N'a pas dit que, où est-ce que j'ai jeu politique? Ce qui, côté mon co, bateau, ma lobby, côté mon sous-so, ma boue, côté, qu'elle a qui m'y a été. Mais qu'est-ce que côté ni le peuple à Zakolanda? Côté ni le peuple à Zakomona qui est basé au Tongamboka? Mais côté Oyoya président Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, mais en gros, on a vu ce pas sur tous les coups, peuple congolais, Mopimba, Bazalikuna, Bazako Tiaye, Maboko, de sorte que Mboka Nabiso échange pour Mboka, et Koufi, Nicolo Mingi, Oyobango Bazakina. Le pouvoir, tu peux dire que tu as besoin de le pouvoir. Merci beaucoup. Bonjour Président. Bonjour. Vous venez de lancer un matériel politique qui coïncide avec le message adressé à la nation par le président de la République hier, le 23 octobre 2020, la soirée. Oui. Et ça tombe aujourd'hui le 24 octobre, samedi, que vous avez lancé votre parti, oui, de coalition nationale populaire. Qu'est-ce que la population peut retenir de la journée d'aujourd'hui qui coïncide juste après l'adresse du président de la République? La coïncidence d'aujourd'hui est voulue par Dieu. Et pour Dieu, les hasards n'existent pas. La coalition nationale populaire qui vient de faire sa sortie officielle aujourd'hui est une gigastructure qui regroupe des partis politiques, des mouvements politiques, des ONGD, des mouvements citoyens, des confessions religieuses, regroupe toutes ces couches qui sont déterminées à pouvoir rechercher la paix, asseoir la paix, la consolider là où elle existe déjà. Ces regroupements, ces gigastructures est là où je recherchais l'émergence du Congo, le développement du Congo. Et c'est cette gigastructure est là aussi pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous demandez pourquoi cette coïncidence? Je dis que c'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi? Parce que ça tombe à point nommé que le président de la République a besoin de la classe politique pour créer l'union sacrée politique, enfin de donner des réponses aux questions importantes qui minent notre pays, entre autres la paix, la sécurité, l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, la formation d'une très bonne équipe de la CENI, la gestion du portefeuille de l'État, la gestion elle-même du pays, les questions socio-économiques. Donc tout ça, jadis, c'était l'apanage d'une seule plateforme politique, le FCC, qui discutait avec le président de la République. On s'est dit, le Congo appartient à tout le monde et nous devons prendre part au chapitre. C'est pourquoi on a créé la coalition nationale populaire pour vous donner aussi, vous, de la presse, l'occasion de participer dans la prise des grandes décisions de ce pays. Par quel mécanisme vous pouvez engager? Parce que la CNP n'a pas d'automatisation. Non, non, ça c'est faux. La CNP est composée de plusieurs partis politiques. Il y a d'ailleurs mon parti politique qui est un député au Parlement. Mon parti qui est parti membre de la CNP. Et la CNP est en train de regrouper tous les restes de partis politiques dans la recherche de la paix. Nous cherchons à regrouper tout le monde, que ce soit le PPRD, on va regrouper tout le monde autour du président de la République, avec la bonne logique de le soutenir. Celui qui ne voudra pas, on le mettra à l'écart. Et tous ces députés-là sont d'accord. Personne n'est contre le développement de ce pays. C'est question de les mettre ensemble et de travailler dans une même vision. Pas dans la recherche de postes, pas dans la recherche d'intérêts égoïstes. Et c'est un travail que nous sommes appelés à le faire par
parler avec les autres députés qui sont là-bas. Ils seront d'accord avec nous pour poursuivre la modernisation de notre cher pays. Alors comment dissuader le processus qui reste toujours jusqu'à présent majorité espagnole ? Il y a très peu de gens qui sont contre le développement de ce pays, qui sont membres du FCC. Ce n'est pas tous les FCC. Vous avez vu que lors de la prestation de serment de juge, il y a eu le membre du FCC, que ce soit le député, que ce soit le membre du gouvernement FCC, qui sont venus. Je vais vous dire que non, ils ne sont pas tous d'accord avec cette manipulation-là politicienne. Comment les persuader? Mais écoutez, écoutez, vous savez, le FCC est assis sur le positionnement. Le président va récupérer à 100% son impérium, c'est-à-dire la nomination, la désignation des animateurs ne se fera plus dans les consultations comme ça se faisait entre FCC et CACH. Dorénavant, ça doit être l'affaire de toute la classe politique congolaise. Alors pourquoi les autres qui sont allés au FCC parce qu'ils veulent, ils voulaient être positionnés, vont s'accrocher au FCC? Non, ils viendront là où les décisions se prennent. Eh bien, vous allez comprendre par là que la majorité va changer de camp. La majorité sera la majorité parlementaire au profit de la population congolaise. Président, nous sommes de Congo Live TV. 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 Nous sommes de soutenir le chef de l'État, le vision naïe, pour soutenir le deuxième mandat naïe, le cabien. Et puis, il y a une barre route pour nous soutenir le cadre. Donc, Basile na bande kona union c'est na parti bazawa na pona ko barre route donc ba inina e ba ko suka na poisa biso na bino to suki awa na bengi sibino bande ko ya Congo Live TV bino na no bo s'abonner te na chaîne na biso bo s'abonner bo aimer ba vidéo na biso bo partager yango kaka ndenge bo mesana e ko sala malamu mingi nga na bino to kutani mokolo ezali ko ya au revoir.